Good morning, Aleid, et tu seras aujourd'hui le Lunish Matran sur Régime Trana. Janine Rude Batfortun Mazal Fritna, Kloucho, Bozan Shalom, Mishaïa, Benelinda, Elio Benish, et Simcha Basara. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Massechet Brachot, Père Gimel, Mishnah Delet. Baal Kerim, Mehar Er, Belibo, Veno, Mevarech, Lo, Lefanea, Velo, Leacharea. Valamazon, Mevarech, Leacharav, Veno, Mevarech, Lefanav. Rabbi Uda Omer, Mevarech, Lifnehem, ou Leacharem. On ouvre dans notre Mishnah un sujet qui va durer maintenant pendant les trois prochaines Mishnayot, le sujet du Baal Keri. Divrei Torah enan mekablim tuma. Un homme qui est impur, il a le droit d'étudier la Torah, il a le droit de faire des tefillot, il n'y a aucun problème, même si lui-même il est impur. Cependant, à l'époque de Ezra à Sofer, Anchekneset Agdola à la fin, quoi, alors ils ont fait un décret. Pour en renforcer toutes sortes de takanot. C'est très intéressant ce qui se passait à l'époque d'Ezra. Là n'est pas le sujet. Mais Ezra a fait plusieurs takanot. Une des takanot qu'il a fait, il a fait que le Baal Keri spécifiquement. Baal Keri, c'est celui qui a eu un épanchement nocturne, un écoulement, soit volontaire, parce qu'il a fait sa mitzvah avec sa femme, ou soit même par accident. Il a fait une takana que tout celui qui voit un Keri, donc une évacuation nocturne, eh bien, il ne devra pas étudier la Torah, et ni même de faire de tfila, tant qu'il ne s'est pas trempé au mikvé. La raison de cette takana, c'est intéressant aussi, c'est pour que Sheloyu, Talmidei Chachamim Metsuim Etzel Neshoteem, Ketar Negolim. Littéralement, pour que les Talmidei Chachamim ne soient pas constamment avec leurs femmes comme des coqs. Soit. C'est très. De manière générale, j'ai écouté une fois un cours, quelqu'un qui avait expliqué quelque chose de profond sur ça. Toutes sortes de décrets qu'il a fait, il a en fait, dans les plein de takanot qu'il a fait, il a fait pour que le rapport entre un homme et une femme il soit de qualité. Donc, il y a, quand c'est le moment de faire, c'est avec toute l'ampleur. Et quand c'est pas le moment, alors on va te casser les pieds, on va te mettre des bâtons dans les roues pour que ce soit compliqué. Imagine que demain matin, tu dois te lever et partir de Mikvé qui est là-bas, tu dis oh là, je préfère dormir et rester tranquille. Ouais, ça c'est le décret. Il faut savoir aussi que ce décret, il a été ensuite, comme il n'a pas été mis en application, on a une règle que toute takana, que Shaina Tzibur et Khoyim la mode, que le Tzibur ne peut pas, a du mal à la mettre en application, ne la met pas en application, le décret s'annule aussi. Donc ça a été annulé, même si c'est malgré tout une midat ainsi d'autre très importante de le faire, que celui qui a eu un rapport ou épanchement, qu'il a eu obligé. D'accord. Ça c'est la takana du Baal Keri. On reviendra plus dessus pour expliquer dans les détails. Retenez-la, on en a besoin pour les trois prochaines Mishnayot. Donc, on a une époque, en tout cas, depuis le Takanat Ezra, jusqu'à je ne sais pas quand ça a été en vigueur, concrètement, où celui qui a eu donc un Keri la nuit, le jour, ça ne change rien, en général c'est la nuit, parce que c'est la nuit, il ne pourra plus étudier la Torah, et ni même de faire de Tfila. Il va être confronté à un problème. C'est que quand il se réveille le matin, il a un problème, il doit partir au mikvé, mais il y a l'heure du schéma qui est en train de passer. Quelles sont les solutions qu'on lui propose? Alors la première solution, c'est Baal Keri, Mehar Er Belibo. Le Baal Keri, il pourra penser au schéma, par la pensée, dire le schéma, il pense dans la tête, schéma Israël, mais sans prononcer dans la bouche. Veno mevarechlo lefanea velo lechaim, il n'aura pas besoin de faire la bracha, ni d'avant ni d'après, c'est-à-dire les brachas de Yotzer Abeorot et Abatolam et tout ça, elles ne sont que Midera Banan, il est Baal Keri, il en est dispensé pour le moment. Et s'il s'est trempé après le Zman Tfila, et bien tant pis, il aura perdu sa mitzvah pour aujourd'hui, mais il ne pourra pas le dire. Il est Anous. Le schéma par contre qui est Minatora, c'est une obligation de la Torah, alors lui, tu t'en acquittes quand même, mais comment par la pensée? On apprend de là entre parenthèses, quand en situation bloquée, la pensée, on peut s'acquitter de sa mitzvah par la pensée. C'est déduit de là, ça a apporté dans Orach Haim, Siman Samechbet, et qu'a posteriori, quand on est bloqué, quand on est dans un endroit sale, ça peut être fréquent avec, imaginez quelqu'un qui se retrouve en prison, ils ont mis des toilettes en pleine prison, en pleine cellule, et l'heure du schéma, elle arrive, et l'heure des solutions de par la pensée de s'en acquitter. Donc, Baal Keri Mehar Er Belibo, un Baal Keri, quelqu'un qui a vu un Keri, un épanchement. Mais Har Er Belibo, il devra penser le schéma, sans le prononcer dans la bouche, mais
mais il ne pourra pas prononcer le schéma. Il ne pourra pas prononcer les brachot d'avant le schéma. Il n'aura pas besoin de prononcer les brachot du schéma, ni avant ni d'après. Il est dispensé pour le moment de tfila. Vers l'Amazon, et sur le Amazon, et lorsqu'il va manger, alors, de nouveau, la bracha d'après la nourriture du Birkat Amazon, c'est Minatora, donc il devra la dire par la pensée. Mais la bracha d'avant de Motsi Lechem Min Haaretz, elle n'est pas Minatora, donc il en sera dispensé, c'est ce que la Mishnah me dit, vers l'Amazon. Et pour l'Amazon, pour sa nourriture, lorsqu'il va manger son pain, mais Varech Lachara, il fera la bracha d'après. Mais il n'aura pas besoin de faire la bracha d'avant. Sur ça, il y a Rabbi Yehuda Omer, mais Varech Lifneem ou Lacharem. Rabbi Yehuda vient et me dit non, il fera la bracha avant et après dans tout, même en prononçant par la bouche, parce que, comme nous dit le Bartanoura, la xéra de Ezra, elle a été annulée. Donc, a posteriori, été bloquée, tu prononces la bracha, même si c'est bien de partir au Mikvé. Pour faire la prier et étudier la Torah avec Doucha ou Tahara, Vadaï, c'est très important, c'est un peu dans le champ de tous les détails, comment faire la tefila. Mais malgré tout, si tu as besoin de faire ta tefila, c'est l'heure de la tefila, tu ne peux pas manquer, tu fais ta tefila même avant de le mikvé, tu iras au mikvé après aussi. Ok ? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout le monde, c'est là.